déjà à 13h. Lequel? Ah. Allez là. OK. Sandra. Sandra. Ah. Petit appel. Si tu veux voir le Star Ocean, je suis c'est avec le micro et tout, c'est ouf. Dominé. Toi tu l'avais pas fait le Star Ocean à l'époque? Non. Ah il est bien quand même. Je sais pas si c'est la nostalgie du jeu, mais moi j'aime bien. Le jeu que tu testes, il est quoi? Il est en 3D? Il est en 3D celui que tu testes? Quel world? Thank you.
Ah bah oui. Il y a tellement de choix, tellement peu de temps. Il y a des morts, forcément. Ah, je suis pété. Ils ont déjà assez de testament. Ah, les sages là. Le but. Lequel? Quel jeu? Ah. Je sais pas, je pensais que c'était un autre truc si... Ah, c'est bon ça. C'est difficile là. Déjà. Ça. J'aurais dû acheter des potions. Pas de résurrection. Ouais.
Bah, faut voir déjà le... Moi, je sais pas, hein, j'attends, ils vont annoncer ça normalement en juin. Début juin, normalement. C'est ça. Ouais. Oui, mais définitivement, ça... Je sais pas si ça justifie franchement si c'est vraiment plus cher, etc. Juste la batterie, tu vois. Mais si c'était plus puissant, tu vois. Bah c'est bien pour ça, j'attends ce qu'ils disent. C'est qu'elle est moins salissante que l'autre qui est toute blanche en fait. Quand tu l'as dans les mains, etc., si tu transpires, y a une grosse tendance à que ça change la couleur quoi. Je sais, mais t'as des personnes qui nettoient pas. Si tu l'achètes en occasion et le magasin il a joué comme pas possible. Sûrement le test d'un jeu. Enfin, une pauvre démo. C'est des projets. Si, c'est pas des Polonais.
À cause de l'Assassin's Creed. Ah, des collections. C'est-à-dire si t'as besoin du jeu pour l'installer, est-ce que tu peux l'installer sans mise à jour ? Ah mais ça c'est pourri ça. Bah c'est simple, t'as des enfants, ils ont la console. Leur offre le jeu. Ton enfant, t'as pas envie qu'il se connecte sur internet, qu'il a sa console, il peut l'avoir, ne pas connecter sur internet. Bah, il pourra pas jouer au jeu que tu lui as offert, je sais pas, un Noël, n'importe quoi. Bah non, il pourra pas y jouer. S'il a pas internet. S'il a pas internet, il peut pas l'installer. Bah ouais, mais si tu lui offres un jeu à Noël et ton enfant la console, elle a pas internet. Bah ouais, mais ça c'est pas bon ça. L'inverse, ça serait que oui, tu peux y jouer sans ton jeu, tu l'es sur le CD, tu le mets, tu le joues. Mais si tu veux, t'as pas d'actualisation. Ah si, non, c'est pas fini. C'est pas fini, t'as beaucoup... T'as beaucoup de jeux aussi, hein. Tu prends le jeu, tu le mets sur la console, tu joues. T'as pas les updates, t'as les bugs, t'as n'importe quoi, mais tu peux y jouer, t'en as quand même. Par exemple, tu peux mettre un FIFA, tu vas y jouer. Tu vas jouer qu'avec une équipe, je sais pas quoi, mais tu peux y jouer. C'est qu'il laisse même pas la possibilité d'y jouer. Parce que là, dans ce cas-là,
ça sert absolument à rien d'acheter l'édition physique. Achète directement la version des maths et au moins tu peux y jouer tout de suite parce que tu l'avais déjà installé. Ça sert à rien du physique pour pouvoir jouer au jeu. Ah bah c'est là si tu veux jouer, bah voilà. Ah ça va tout buter. Je sais pas, moi je vois ça. C'est de plus en plus. Arrêter d'acheter des jeux quoi et profiter de ce qu'on a déjà qui est sorti. Quoi. Pour faire les backlogs qui font ça. Ah oui, sur Twitter, t'as certaines personnes, tu peux même pas les bloquer. Oui, mais les notifs, quoi. Je me fais tout buter là. En mode JS. Bah il va avoir un GDMU, un picot et une carcasse chinoise. Et une carcasse chinoise c'est tout ce qu'il va avoir. Ah si, il va mettre un Noctua, il va mettre un Noctua. Il va mettre une frame pour pas avoir la pile. C'est pas du tout. Il y a la frame. Non. C'est, si tu lui offres, ok, mais c'est l'acheter. Mais non. Mais non. On va dire ça.
Je suis emmerdé là sur des combats. Je peux même pas prendre fuite, je suis dégoûté. Ah si, je peux. Je suis encore dead. Ah, je suis emmerdé là. Qu'est-ce que c'est ? Il fait ses travaux, je crois. Il va faire des travaux. Il est dans le bricoplaco. C'est chaud. Hein. L'idée là, j'utilise l'option. Ah, et là. Opération d'état. Elle. ここまでか。
Bon, j'allais crever encore. Le truc il peut jouer en ligne avec la version spéciale. Ah ok. Ouais, je même pas, je crois l'avoir aussi. Sur Steam. Je sais, j'ai sur PS4, c'est sûr, parce que c'est quand je l'avais joué. Come on.
流星ショー、大破弾、流星ショー、大破弾、流星ショー、大破弾。
ご覧に入れましょう。カムイの次、エクスプロード。
してくれますの。当たれ！
何かしら。変な丸い玉がぷかぷかしているけど。これが…そうみたい。けど、あの奥にある…本当だ…侵入者発見。間違いない。この部屋は銀河連邦本部にある父さんの部屋だ。と、まさか。お父さん。クロード。だって。そうか。お父さん。ゾウイ…クロード、すまんな。クロード、どうして帰ってきたら。お父さん帰っ…母さんなら分かってくれるさ。クロードは家に帰って、これからも母さんを守ってやってくれ。お父さんのバカ、嘘つき。嘘つくお父さんなんて大嫌いだ。嘘つくお父さんなんて、だ。なんだと。クロード。昔。そう。
次のフィールドへ向かおう。おや、まったく。
れってことかしら。だと思うけど。
弱かったですね。思ったより弱かったわね。ここが力のフィールド。大きな山ね。ねえ、少しさ、泣き言を言ってもしょうがないよ。
ジュノちゃん、いや、何の話、攻撃、流星ショー、攻撃、流星ショー、攻撃、流星ショー、攻撃、流星ショー、攻撃、流星
Thank you.
やったな。それなら満点だな。
出店ってとこだな。やっと頂上が見えてきた。何か遺跡みたいなのがある。あ、よくぞここまでたどり着いた。あなたは？私はこの力のフィールドを守る者。今までのなら、ご今のところは今のところです。そうだ、ここで。なるほど、それが最後の試練ってこと。その通りだ。言っておくが、小手先の敵だ。逆に行こうぜ。やった攻撃の継承。攻撃マイク攻撃
ありがとう。シュマちゃん、ご覧に入れましょう。カムイの釣り、すまない。ありがとう。
てくれるわね。ウィンドブレード、キュアリアタル。ウィンドブレード、キュアリアタル。ウィンドブレード、力の試練を全ての、
これが祭壇？何もないわね。どうだ、士官候補生諸君。初めて航宙艦に乗った感想は？そうか、これは僕が初めて宇宙に出た時だ。どうした、もっと嬉しそうにしたらどうだ。いや、十分嬉しいです。嘘だ、この時は別に嬉しくもなんともなかった。ただそうか。はい、そうだ、そうやって自分に嘘。まあ、なんと言って、さすがロニキス提督のご子息は知ってるか。そりゃそうだよ。やめろ、僕を特別扱いするな。この私はこんなところでくすぶってるような器じゃない。連邦軍の召喚こそがふさわしい男だ。上の連中は私の才能を恐れているんだ。自分の地位を脅かされるんじゃないかとね。僕がどこに行っても何をするにしても、それともあの頃は単に子供だっただけなのか。一体僕はいつからこうなってしまった。そう、逃げてちゃ何にも。クロード？そうだな、僕は逃げてばかりいた。いや、何でもないや。これは？さあ、次の。
僕らの勝ちだな。足が足りてもねえよ。
怪我はなく。